Dans une grande cuve, vous incorporez le chubo, beaucoup de koji, beaucoup de riz cuit et de l'eau. Puis la fermentation commence. Au contact du riz, le koji produit du sucre, que les levures transforment en alcool. Des processus simultanés que vous devez encourager en brassant quotidiennement. Okay. Pendant 25 à 30 jours, le riz danse. Il se liquéfie et la teneur en alcool augmente. Quand il titre 18 degrés, il est temps de pressurer.